Salut à tous pour cette troisième vidéo sur les bases de ressources. Je sais, j'en fais rarement. Je l'ai fait une troisième il y a pas longtemps. En fait, ça a bugué. J'ai merdé au montage, on va dire. Et c'est pour ça que la vidéo, je ne l'ai plus, malheureusement. C'est dommage parce que j'avais fait au moins 5 ou 6 bases de ressources. Je vais essayer de faire la même chose avec mes gars niveau 18. J'ai boosté la canonnière qui est maintenant 119 points de canonnière. Donc, on va essayer de gérer un maximum. Alors, je vous rappelle que les bases de ressources, les meilleurs moyens de les détruire ou les acquérir, ça revient à la même chose, c'est en full carbo ou en full guerrier. Allez, peut-être d'ailleurs j'en ferai des vidéos sur les full carbo, sur les bases de ressources. Allez, c'est parti, il me reste une vingtaine de minutes de boost, donc je vais essayer de gérer tout simplement. Alors, l'avant-poste ou le QG a seulement plus 40 000 de vie, donc ça reste, c'est pas énorme. Donc c'est pour ça que j'en profitais pour essayer de le détruire, ce joueur. Il va falloir que j'essaye de me trouver, de me frayer un petit chemin. Je sais peut-être, ça ne veut rien dire. Enfin, si, mais c'est moche. Alors, je vais me focaliser sur ce lance-flamme. Hop. J'espère perdre le moins de troupes possible. De toute façon, je vais utiliser des diamants si jamais il y a un petit problème. Hop. Hop, hop, hop. Alors j'ai utilisé un fumigène en trop, mais c'est vraiment par sécurité. Je vais envoyer des bestioles ici, comme à chaque fois, sur l'avant-dernier fumigène. Et je vais friser tout ce qui se passe autour de moi. Boum, 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 boum. Voilà, parfait. Et je soigne le reste. Je soigne mes troupes avec le reste de points de canonnière qui me reste. Voilà, donc j'ai un peu perdu moins de la moitié. Ce n'est pas français, mais au moins j'ai réussi. En fait, je crois que j'ai frisé des troupes en haut. Bon, on s'en fout, j'ai réussi. D'ailleurs, c'est une petite astuce, ça c'est bien de fait de détruire des bases de ressources quand il ne reste plus rien sur sa map en mercenaire ou garde noir si vous avez besoin de médailles. Voilà. Parce que tout simplement, vous dites putain, j'ai plus rien sur ma map. Et ben non, il vous reste toujours une petite base de ressources à essayer d'acquérir. Allez, je vais utiliser 22 diamants pour essayer de détruire une deuxième base de ressources. Je crois que c'est celle-là. Je crois que c'est la neige qui me va le mieux en ce moment. Alors, on voit énormément de lance-roquettes. Je vais essayer peut-être d'en trouver une autre. Il y en a énormément. Il y en a peut-être au moins 6 ou 7 sur ma base que je dois détruire. Ils ont tous plus 43 000 de vie à peu près, ces avant-postes. Ah putain, plus 171. Alors lui, il est vénère, lui. Lui, c'est vénère sur sa map. Il y a un joueur que je dois essayer de vous trouver, c'est celui-là, voilà. Cette base-là, je l'ai depuis au moins le niveau 50 avec presque le même joueur. On essaye de se l'acquérir chacun son tour et c'est compliqué. Mais là, c'est à mon tour de l'avoir, mon petit pote. En plus, il a aucun boost de santé des bâtiments, donc je vais le détruire tout de suite. Enfin, je vais essayer en tout cas. Et je vais vous redire une astuce. Ah, bah, j'ai déjà fait mes troupes. Une petite astuce. Je crois que je l'avais déjà dit dans l'épisode 2 des bases de ressources. C'est quand on a un gros bâtiment comme ça, je vais vous montrer ça tout de suite. D'accord, il est connecté. En fait, je vous le dis comme ça, il faut le détruire. Cette mine de fer, il faut la détruire parce que les guerriers vont se mettre à droite et à gauche. Ils peuvent sortir de la zone du fumigène et ils peuvent mourir tout simplement parce qu'ils peuvent être à la portée des lance-roquettes par exemple ou entre autres ou des autres bâtiments défensifs. Je vais revenir sur la base de ressources en haut. J'espère qu'il va plus être connecté le mec de tout à l'heure. Donc là, vu qu'il y a beaucoup de lance-roquettes, je pense que je vais plus utiliser des bestioles que des tasses. Bon, on va voir, je vais utiliser les deux. C'est parti. Là, je vais me focaliser sur lance-roquette ici. Ok. Là, ça va être compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup de lance-roquettes. Hop. Alors là, vous avez vu qu'il y a un gros bâtiment non défensif, la mine de fer ici, eh ben, les guerriers sont allés haute part. Et je peux vous dire que ça fout le seum énormément. Hop, alors là j'en ai perdu combien? J'en ai perdu 6, non 1, 2, 3, 4, j'en ai perdu 4 seulement, enfin seulement, c'est déjà énorme. Des bestioles ici. Et je freeze après. Hop, hop, hop. Alors là ça va être compliqué, j'ai failli rater, c'est pour ça que j'ai pas parlé, c'est pour ça que j'avais vu ma tête. J'étais peut-être tout rouge, je ne sais pas, faudrait voir le replay. 983 médailles là ce joueur, ça prouve que c'est un excellent joueur, mais avec énormément de lance-roquettes, mais j'ai quand même réussi. Avec 14 pertes, ça reste énorme, même si j'aurais pu mieux faire. J'ai eu le trac en fait, j'ai stressé. C'est cette base de ressources là, il faut que je vous montre aussi.
Certains me demandaient comment j'organise en fait quand j'ai une. Parce que vous savez que la base s'améliore quand on acquiert, quand on acquiert une nouvelle base de ressources. Donc là, je crois que c'est un mortier ou je sais. Non, c'est un super canon. Ou alors il y a ce mortier là. Alors je le mets. De toute façon, ce super canon là, il sert strictement à rien. Donc je vais mettre le. Ce mortier à la place. Ce canon, il sert à rien. Je vais mettre ce lance-flamme ici. Je sais pas pourquoi il était là. Mais au moins, c'est mieux positionné maintenant comme ceci. Je vais mettre ce canon ici, même si je sais pas s'il a une grande portée. Voilà. Bon alors, on va essayer d'attaquer une autre base de ressources, parce que deux, ce n'est pas énorme, tout simplement. Faut que je refasse mes troupes. J'en aurais utilisé des diamants, hein. 26. Donc est-ce qu'il est connecté, mon pote? Il est toujours connecté. C'est dommage parce que je suis sûr que je l'aurais eu. Ça, c'est une certitude parce que le QG n'a pas beaucoup de points de vie. Alors, celui-là. Celui-là, je me le fais. Désolé, Vitia ou Vita. Ou... Vitia, parce que sinon, ça aurait été la chanteuse. Alors, le canon, ici. Toujours les trois fumigènes. Faudrait que je m'améliore parce qu'il y a un fumigène en trop que je mets, en fait. Là, je soigne les troupes parce que ils sont tous cramés, presque. C'est pas grave, aucun problème. Je vais me mettre sur ce canon-là. Hop, parce que je vais pas me mettre sur le QG directement parce que ça fait une diagonale. Hop, et bim, 69 points, c'est déjà bien. Enfin, c'est déjà énorme. D'ailleurs, je suis super content. Je sais pas si vous l'êtes. Alors, des bestioles toujours ici. Ah, j'aurais peut-être pas dû parce que ça va un peu servir à rien. Hop, hop, hop. Et je vais soigner mes troupes. Avec au moins deux medikits j'ai utilisé. Je sais pas si ça a servi. Je sais pas. Alors j'ai pas perdu beaucoup de troupes. Les medikits m'ont servi. L'utilisation des bestioles comme je viens de le faire. Ne le refaites jamais chez vous. Parce que ça sert à rien. Puisque les bestioles étaient découvertes et au moins 10 secondes après mes troupes. Donc ça sert strictement à rien. La diversion elle était nulle. Quasi nulle. Alors, nouvelle défense, super canon. Alors super canon, c'est plus si on se fait attaquer par des carbos. Bon, c'est pas grave, je vais quand même le mettre ici. Voilà. Il n'y a eu que 3 pertes, je crois. 3 pertes seulement, c'est bien. C'est bien. Je vais voir s'il est connecté, mon petit pote. Encore. Il passe sa vie, lui. Lui, c'est pas comme les autres joueurs. Il va pas au Monoprix, lui. Lui, il est pas malade. Alors, est-ce que Salcodinamitas est connecté? Et surtout, est-ce qu'il a une bonne. Ah, plus 72, ça par contre, ça peut faire mal. Et lui, Phoenix. Phoenix. Compliqué, mais je vais essayer. Compliqué, mais je vais essayer, je vous promets rien. En attendant, hein. Peut-être qu'un jour il va se déconnecter, mon pote. Non, il est toujours connecté. Alors, on va essayer de faire Phoenix. Par contre, c'est compliqué, hein, parce qu'il y avait énormément de bâtiments défensifs sur la map. Il y a énormément de lance-roquettes, il y a des lance-flammes derrière. Allez, je tente. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Baudelaire a dit ça il y a une dizaine d'années, je crois. Alors, le super canon, ici. 1, 2, 3. Voilà, faut bien les éparpiller. Comme ceci. Et un fumigène sur le super canon. Alors, putain, il y en a 3 qui étaient hors de port, enfin, qui étaient hors des fumigènes. Et ben, ils l'ont senti passer, moi je vous le dis. Alors, j'ai presque une barge en fait, qui a été détruite d'un coup. Alors, ce que je vais faire, c'est ici, ici. Ok, je vais essayer d'en mettre 4. 1, 2, 3, 4. Et je soigne mes troupes. Et je soigne mes troupes et j'espère que ça passe. Et bien sûr que ça va passer, bien sûr. Je me suis amélioré quand même, guerrier. Hein. Ça faisait au moins un ou deux mois, j'arrivais pas. Et là, par contre, j'ai eu beaucoup de pertes là, par contre. Là, je peux pas le nier. Alors, 683 médailles, c'était un jour en dessous de moi au niveau des médailles. 30 pertes, c'est énorme. Mais je m'en fous, je l'ai quand même eu. Ah, j'arrête pas d'avoir des super canons, mais ça me sert un peu à rien. 696 médailles, j'en ai gagné, je sais plus combien, je vais vous montrer ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bien joué. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là. Je ne sais pas s'il est connecté encore l'autre. Mais j'aimerais bien essayer de le détruire. Je vais aller voir ça tout de suite. Il est encore là. Bon, c'est déjà bien. 4 bases de ressources, ça fait 4 médailles. Et ça fait de la ressource en plus, même si moi, je n'en ai pas trop besoin. Mais pour les niveaux un peu inférieurs aux miens, c'est important. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et dites-moi si vous voulez que je fasse des bases de ressources avec les carbos plutôt, ça serait super intéressant.
On se retrouve très bientôt et je vous kiffe. Salut à tous.